Gloire à Dieu! Quelque chose de grand vous arrive. Où êtes-vous? Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour ce moment. Un grand moment. Un merveilleux moment. Tu vas visiter ton peuple. Seigneur, ton peuple ne sera plus jamais le même au nom de Jésus. La puissance pour se lever. La puissance pour vivre selon ta parole. Et la puissance pour mener la vie victorieusement. Donne à tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, je prie, à partir de maintenant, ton peuple ne sera plus jamais le même. Confirme ta parole dans toutes les vies. Je te bénis parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons dans Luc chapitre 9. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » C'est ce que tout suiveur de Christ doit en principe dire. Ça, c'est la parole qui doit sortir de votre cœur à travers votre bouche au Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et l'homme, il a disparu. On n'a pu le voir. Il n'a pas compris. Le Seigneur dit, veux-tu me suivre? Les oiseaux ont des filets. Et les animaux ont leur maison, quelque part où ils se cachent. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Ça veut dire quoi? Il dit que je n'ai pas une maison permanente ou une villa permanente ici sur la terre, mais j'ai des villas, de grandes maisons là-bas au ciel. Je n'ai pas le temporaire, j'ai le permanent. J'ai le futur, j'ai l'éternel. Et l'homme n'avait pas compris du fait que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas les choses temporaires ici. Il a pensé que c'était la fin de la possession de Christ. Lui, il est parti, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Nous allons considérer la parole du Seigneur ensemble sur le titre, c'est vivre et marcher comme les disciples de Christ. Vivre et marcher comme les disciples de Christ. Nous considérons trois points. Numéro un, la formation des vrais disciples. Numéro deux, la marque d'un disciple transformé. Et numéro trois, nous parlerons du modèle des disciples dits de confiance. Numéro 1, la formation d'un vrai disciple. Matthieu chapitre 4, le verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai. Vous ne pouvez jamais complètement, réellement, entièrement
vous faire ce que vous devez être ou celui que vous devez être. Dans votre force humaine, dans votre capacité humaine, dans votre capacité de lire, d'étudier, dans votre façon de lutter, dans vos essais, je vais essayer de mon mieux, je ferai de mon mieux. Vous ne pourrez jamais, ultimement, vous rendre ce que vous devez être. Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et la Bible déclare ce qui suit. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. Le disciple, c'est un suiveur. Un suiveur, c'est un disciple. Suivez-moi. Ils ont tout laissé et il le suivit. Les disciples suivent. Les disciples de Christ ont suivi le Seigneur. Un vrai disciple va suivre Christ fidèlement. Ils vont le suivre dans la sincérité et ils seront proches de lui. Ils vont le suivre sans poser de questions. Ils vont le suivre de façon implicite. Je voudrais que vous écriviez le mot disciple. Grâce à Dieu, c'est la même écriture en anglais. Numéro 1, c'est dédié, décisif, dédicacé. Un disciple, c'est un dédié. Il dit Jésus Christ est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon modèle, il est mon directeur, il est mon leader, il est mon Seigneur, il est mon berger, je le suivrai. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent se lever, quel que soit ce qui va se passer, je suis un disciple décisif, dédié, dédicacé, complètement voué à l'Éternel. C'est lui qu'on appelle un disciple. Numéro 2, le I, c'est un suiveur, il est incorruptible. Un disciple ne peut pas avoir sa pensée changée par les pharisiens. Les sadducéens ne peuvent pas changer la décision d'un disciple. C'est impossible. Aucun homme, quelle que soit la richesse de la personne, ils peuvent amener tout leur argent. Vous ne pouvez jamais corrompre l'enfant. L'a dit le disciple d'un Christ. Eux, ils savent que Jésus est le possesseur du ciel et de toute la terre. Il n'y a rien que vous allez amener à un disciple pour le corrompre, pour dire je vais l'amener, va fuir Jésus pour me suivre. Non, c'est impossible. Un disciple est un suiveur incorruptible. Dans le mot disciple, il y a S. Il est séparé et il est complètement un suiveur avec la même et la seule pensée, complètement séparé. La Bible dit que celui qui endure, il sera sauvé. Il y a des tempêtes, il y a des troubles, il y a des persécutions qui viennent d'ici et de là, mais ils braquent leurs yeux sur leur maître, leur Seigneur Jésus-Christ. C'est la lettre C, c'est un suiveur courageux. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont un exemple parfait. J'ai appris que vous ne vous accroupiez pas, vous ne vous abaissez pas devant mon idole. Maintenant, lorsque vous écouterez encore le son de cette musique, vous allez vous prosterner et adorer. Venez, non? Qu'est-ce qu'il y a? Agenouillez-vous. C'est moi qui suis le chef ici. Prosternez-vous. Prosternez. Si vous ne vous prosternez pas, vous ne vous accroupissez pas, vous allez brûler. Et si vous ne vous accroupissez pas et que vous ne faites pas ce que je dis, je vais attiser le feu encore plus. Et qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains?
Nebuchadnezzar, tu sais, cette parole que tu as dit, qui est ce Dieu? Tu n'as pas la bouche pour prononcer le nom de ce Dieu. Si tu dis, qui est ce Dieu? Vas-y, va faire ton feu et que cela soit aussi fort comme tu peux. Nous voulons te dire que nous sommes les disciples de ce Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est omnipotent. Va faire ton feu, notre Dieu. Je dis notre Dieu que nous servons, nous délivrera loin de tes mains. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle que soit la chose, nous ne nous prosternerons jamais à tes idoles. Votre Dieu est-il plus petit que Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar était coléreux et il a dit, oh, allez-y, faites encore ce feu 7 fois plus fort. Ils l'ont fait, on les a alliés, Shadrach, Meshach, Abednego, et on les a jetés dans le feu. Je m'excuse, le serviteur de Nebuchadnezzar qui a touché jamais, qui a jamais touché Shadrach, Meshach, Abednego, qui a lié Shadrach, Meshach, Abednego, qui les s'est abaissé pour les prendre, les jeter dans le feu. C'est lui qui a été tué par le feu. Mais les cordes qu'on avait utilisées, les cordes de Nebuchadnezzar se sont consumées dans le feu. Et je déclare que pour vous aussi c'est la même chose. Ils se sont levés, ils ont marché dans le feu. Mais ils n'étaient pas seuls, vous ne serez non plus seuls. Les cordes de Nebuchadnezzar, les chaînes de Nebuchadnezzar, les empêchements de Nebuchadnezzar, le feu de Dieu va les brûler complètement de votre vie au nom de Jésus. Et Nebuchadnezzar s'est levé. Et il a eu la surprise la plus grande de sa vie. Que le feu terrestre ne brûle pas les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il a regardé dans la fournaise. 1, 2, 3, 4 encore. D'où vient ce 4? Ça, c'est Shadrach que je vois là-bas, non? Là-bas, qui est-ce que je vois? C'est Meshach, ça? Et là, c'est Abednego. Oh, qui est celui-ci? Je vois une quatrième personne. Je vois une quatrième personne. Et son apparence, c'est comme, répétez-moi, dites-moi ça. Le Fils de Dieu. Il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Dans ce feu, il serait là. Il sera là. Il va marcher avec vous et vous marcherez avec lui. C'est pour cette raison que les disciples sont courageux. La lettre qui suit, c'est I. Ça, c'est inamovible. Ça, c'est des tueurs inamovibles. Les montagnes peuvent bouger. Les océans peuvent se déplacer. Les ennemis peuvent se lever. Vous avez pris la résolution de suivre Jésus-Christ. Un disciple est inamovible. Un suiveur inamovible. Le P, c'est un suiveur qui a objectif. Un suiveur qui est en train de suivre le Seigneur avec eux. Il a une destination. Il a une destinée. Il a un pur objectif pour atteindre sa pensée est au ciel. Ses yeux sont au ciel. Ses désirs sont au ciel. Et cette maison que le Seigneur est allé préparer, vous voulez être là-bas par tous les moyens. Et le L, c'est loyal. Loyal à l'Éternel. Un suiveur loyal. Loyal, ça dit que celui qui aime, personne ne vous rendra fidèle, personne ne vous rendra loyal, personne ne peut changer votre pensée pour un moment. Et dit Jésus, va de côté d'abord, je veux plaire à cet homme, je veux plaire à cette femme. Vous êtes loyal, ça c'est un disciple, ça c'est un suiveur. Le E qui est là, c'est que vous êtes vraiment... J'allais dire, vous êtes ferme. Ça, c'est ce que l'anglais prend.
Et il dit de combattre fermement pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. C'est votre pensée, c'est votre cœur, c'est votre esprit, c'est votre attitude, c'est votre passion, c'est votre rêve, c'est votre nourriture, c'est tout ce que vous avez. Vous suivez avec fermeté. Vous suivez, vous obéissez avec fermeté. Vous défendez avec fermeté. Vous vous tenez ferme pour la même chose pour la que Jésus a placée entre vos mains. C'est lui qui est un vrai disciple. Et c'est ce que Dieu, Jésus, veut faire de vous. Et il vous fera ainsi. Je dis, vous fera ainsi. Numéro 2. La marque ou les marques d'un disciple transformé. Le mot ou le verbe transformer est très important ici. Si vous êtes un disciple, vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui comme vous aviez vécu hier. Les jours passés sont des jours qui sont sans grâce. Ce sont des jours sans grâce. Nous sommes maintenant dans les jours de grâce. Les jours du passé sont des jours sans Christ. Voici maintenant le jour ou les jours que vous vivez avec Christ et pour Christ. Les jours du passé, sans transformation, sans pouvoir, sans aucune chose. Aujourd'hui, c'est le jour de sa puissance. Hier, l'autre jour, ça c'est seulement les jours ordinaires humains. Maintenant, vous êtes disciples et voici le jour du surnaturel. Un changement a eu lieu. Une transformation a pris place. Vous êtes maintenant un disciple transformé. Les marques d'un disciple transformé. Romains chapitre 12. Le verset 1 et le verset 2. Romains 12, le verset 1 et le verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Pourquoi? Pourquoi ne pas être comme ceux de ce monde? Pourquoi ne pas se conformer à ce monde? Parce que le Maître Jésus, Sauveur et Seigneur, vous a fait sortir du monde pour vous faire conformer au monde à venir. Il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Et le monde ici est terrestre. Le monde ici est terrestre. Et le monde là-bas est céleste. Vous n'êtes plus dans cette classe seul. Vous êtes de l'autre côté dans la classe céleste. Jésus a dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. C'est pour cette raison, ils ne sont plus conformes à ce monde. Ils sont transformés par le renouvellement de la pensée. Regardez le verset 2. Ne vous conformez pas, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le peuple de ce monde vit selon la volonté de l'homme. Mais vous êtes du royaume de Dieu. C'est votre cité. Vous devez vivre alors selon la volonté parfaite acceptable de Dieu. Quelles sont les marques? Ce sont des marques qui sont complètement différentes des gens de ce monde. Regardez Jean 13. Jean 13, verset 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Levez la tête et regardez-moi. Vous avez laissé le primaire, l'école primaire, et vous êtes allé maintenant, vous êtes en sixième, vous êtes à l'école secondaire.
Maintenant, sachez-vous, savez-vous que dans une nouvelle école, les règles sont différentes. Vous avez quitté l'école secondaire et vous allez à l'université, les choses changent encore. C'est une nouvelle institution. La méthode d'enseignement là-bas, c'est autre chose. La méthode d'examen également est différente. Vous êtes dans une nouvelle classe et vous devez agir, faire les choses selon un nouveau principe, une nouvelle perspective et une nouvelle perception. Maintenant, vous êtes un disciple de Christ. Vous n'allez pas agir tel que vous le faisiez avant de naître de nouveau. Vous ne devez pas continuer de la même façon. Nous lisons dans les journaux, les gens de ce monde, ça c'est leur royaume, c'est leur royaume. Ils se mettent en colère, ils se bagarrent, ils déchirent des choses, ils brisent des choses. La haine, c'est la marque des gens dans le royaume de ce monde. Maintenant, vous êtes dans un nouveau royaume, dans une nouvelle classe, dans une nouvelle communauté. Et à cause de ce changement, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Non seulement que vous allez aimer certains et haïr d'autres, pas que vous allez aimer seulement pour un temps et pour un quelques jours seulement et vous allez haïr pour le restant de votre jour. Non. Il y a certains qui sont allés en congé pour aimer des gens. Ils vont dire, frère, tu sais, la façon dont tu fais maintenant là, tu faisais ici comme ça auparavant. Et j'avais l'habitude d'aimer tout le monde. J'aimais même mes ennemis, hein? J'aimais tout le monde. J'avais l'habitude d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toutes mes forces. J'aimais cette église. J'aimais cette église au point où je ne voyais rien pour critiquer, rien. Mais vous savez, aujourd'hui, chaque chose a son temps. Ça, c'était le temps de l'amour en plein temps. Maintenant, lorsque vous grandissez, vous devez aller à la retraite. Je suis maintenant vieux et je suis plus sage qu'auparavant. Je vois les choses différemment maintenant. Les choses que je vois maintenant, je ne les avais pas vues auparavant. Je suis en retraite d'amour. Non, ça ne se produit jamais dans le royaume. Vous n'allez pas en congé d'amour pour dire je ne vais plus aimer Dieu de tout votre corps, de toute votre pensée, de toute votre âme. Il n'y a pas de retraite. Aimer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, et manger la parole de Dieu comme la nourriture, boire la parole de Dieu comme l'eau. Il n'y a pas de retraite. Aimer Dieu pour aller au ciel dans la maison de mon Dieu. Il y a plusieurs maisons là-bas. Heureux, heureux, heureux serai-je. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de congé. Nous continuons d'aimer le Seigneur et servir le Seigneur pour aller au ciel pour le restant de nos jours. Vous aimez les enfants de Dieu. Vous aimez, nous nous aimons les uns les autres. Il n'y a pas de retraite. Vous continuez d'aimer, aimer et aimer encore jusqu'à quitter ce monde. L'amour transparent, l'amour clair, l'amour ouvert, l'amour tangible, l'amour touchable, l'amour transformateur. Certains disent, tu sais, pasteur, je suis différent, hein? Moi je suis différent. J'aime les gens, hein? Mais je contrôle mon amour, je ne démontre pas ça. Parce que, tu sais, nos gens, si tu leur démontres que tu les aimes, si tu es seulement trop trop sucré, hein, tu es seulement du sucre ou de miel, ils vont te sucer et te finir. Pasteur, je ne vais pas dire aux autres, hein, mais je vais te dire ça. Je suis riche. Pasteur, je suis. Ah, il y a de l'argent, hein, mais je ne montre pas ça. Non, 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 non. Tu sais pourquoi je ne montre pas ça, pasteur? Si je montre maintenant que j'ai de l'argent et que j'ai l'amour, une fois que vous ajoutez l'argent et l'amour, avant ça, elle va dire, tout le monde va dire, hey, frère, j'ai besoin de ceci, peux-tu me donner ceci? À cause de ça, je les aime, mais je ne démontre jamais à qui que ce soit. Je marche comme je dois marcher, normalement. Je porte mes petits habits, mes petits quoi? Mes petits habits.
pour démontrer que je suis un pauvre. Mais si tu vois mon compte bancaire, tu vas fuir. Non, si tu as l'amour, tu dois démontrer l'amour. Ça, c'est du prétence. Vous êtes du prétence, un prétentieux. Elle dit, frère prétentieux. Oh, si tu es content, démontre que tu es content. Que tout le monde sache que tu es content. As-tu l'amour? Démontre que tu as l'amour. Il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de ton franc, qui a besoin de ta touche, qui a besoin de ton amour. Beaucoup de gens sont seuls, beaucoup de gens sont opprimés. Et ils veulent que tu démontres que tu es un disciple de Christ qui prend soin et que tu aimes. Un nouveau commandement je vous donne, que vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous venez à l'église, vous avez vu un frère, une sœur qui ont été complètement empêchés. Et il n'y a pas d'espace, il y a d'espace dans votre voiture. Et vous savez que voilà frère, voilà soeur, ils ont un problème, ils ont panne et ils ne peuvent pas aller. Vous l'avez vu en chemin. Et maintenant, si c'est vous qui avez l'amour caché, l'amour qui ne veut jamais sortir pour s'exprimer, s'extérioriser, vous descendez vous montez, vous faites encore votre vitre et vous mettez encore votre pied sur le gaz et fiam, vous passez. Avant qu'on dise hey, frère, vous êtes déjà parti. Maintenant, le culte est fini, l'eau. Hey, frère, on t'avait vu tout à l'heure. On était en train de te faire la même. Hey, c'est ainsi. Oh, Dieu vous bénisse. Mais vous êtes venu finalement. Oui, nous avons raté le sondage des Écritures. Et nous avons également raté la première partie du culte. Mais nous sommes finalement venus. Gloire à Dieu, je vous aime. Vous pouvez ne pas le voir, hein, mais je vous aime tellement. Vraiment. Mon amour pour vous, c'est trop fort, quoi. Il y a beaucoup d'autres personnes qui disaient, lorsque vous les voyez pas sur le chemin comme ça, ils ne vont pas, comment on appelle, faire monter leur vitre de leur fenêtre. Ils ne vont pas courir même. Ils vont même, ralentir et ils vont vous secouer la main pour dire, ah, bonsoir frère, bonsoir soeur. Oh, bonjour, hein, bonjour, bien bonjour, hein. Hey, faites vite, hey, racontez, nous allons nous voir à l'église. Et hey, viens, on va partir, oh. Et on se voit à l'église, oh. Mais qu'en est-il là de l'espace que tu as dans ta voiture, oh frère? Mais à partir de maintenant, votre amour serait pratique. Toutes les autres parties de votre vie, il dit, démontrons l'amour. Vous savez, des fois, il y a certaines personnes qui mécomprennent la sainteté. Et je vois leur interprétation de la sainteté et je suis étonné. Et j'essaie de leur dire, frère, ça ce n'est pas la sainteté, oh, ce que tu dis là. Mais ils ne m'écoutent jamais. Ils sont toujours là et on prêche, ils n'écoutent pas. Je vais vous le dire, une sœur est en train de partir. Et elle a raté, elle a glissé, elle s'est glissée et une voiture a brisé son pied. Un frère est en train de passer. Même si c'est la personne n'est pas de la vie profonde. Mais vous savez que telle sœur est une sœur de l'église. Voilà, ses pieds ont été brisés. Vous pouvez voir le sang qui est en train de couler. Et elle est tombée par terre. On a besoin de quelqu'un qui va l'amener dans une voiture et l'amener à l'hôpital. Moi, je suis un frère haut. Les frères ne touchent pas les sœurs. Hein? La sainteté. Je ne peux pas toucher une sœur. Une autre voiture est en train de venir.
une autre voiture peut monter dessus cette sœur. Sœur, oh, pardon, oh, excuse, attention, que le Seigneur prenne soin de toi, oh. Est-ce que tu as des douleurs? Oh, frère, aide-moi, non? Frère, fais-moi sortir de cette douleur, non? La sainteté, on nous a enseigné la sainteté. La sainteté. Oh, sœur, je ne vais pas te toucher, oh. Si je te touche, je serai souillé. Si je te touche, je te prends comme ça, là, je vais perdre ma sanctification. Est-ce que c'est moi qui vous ai enseigné ça? Jamais, ce n'est pas moi qui vous ai enseigné ça. Ça, c'est une autre personne qui vous a enseigné cette sorte de sainteté dont vous parlez. Ça, ce n'est pas moi. Soulève la sœur. Fais-la sortir de ce lieu. Prends soin des gens qui souffrent. J'aime ça. La sainteté ne contredit pas l'amour. Et l'amour ne contredit pas, j'allais dire, la sainteté. Quelqu'un a faim. Elle est en train de mourir de faim. Et elle vit dans cet appartement. Et vous aussi, vous êtes de l'autre côté de l'appartement. Elle n'a rien à manger. Vous êtes dans la même maison. Et vous avez la nourriture, vous jetez dans la poubelle. Frère, mais l'autre est en train de mourir de faim. Elle n'a rien mangé de la journée. Ne peux-tu pas lui donner à manger? Nous sommes saints, oh. Si je vais donner de la nourriture même, je vais couvrir la nourriture. C'est vrai que nous sommes voisins, mais je ne vais pas lui donner ça. Je suis un homme. Elle est une femme. Les sœurs ne visitent pas les frères et les frères ne visitent pas les sœurs. À cause de ça, je ne vais pas la toucher. Elle est une femme. Je vais couvrir la nourriture et je vais amener la nourriture à l'église. Je vais écrire son nom sur la nourriture. Et il va dire, telle sœur, donnez-lui ceci. Je ne vais pas donner à quiconque. Hein. Je vais seulement déposer ça dans l'église pour que personne ne sache. Les ouvriers, mais ne vont pas savoir. Quelqu'un qui sera en train de passer va voir le cadeau. Ils vont voir le nom de la sœur. Et ils vont prendre cela. Et ils vont faire annonce pour dire, elle n'entend pas de l'annonce, elle n'a pas de l'argent pour venir à l'église même. Ta nourriture que tu as amenée à l'église sera complètement putréfaite avant qu'elle ne sache que quelqu'un lui a donné quelque chose. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Donnez à ceux-là qui n'en ont pas, ceux qui sont en train de périr, ceux qui sont en train de souffrir. Démontrez votre amour et faites quelque chose pour soutenir les autres. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et pas ceci, les autres sauront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avez-vous les oreilles pour entendre? Je demande, avez-vous des oreilles pour entendre? Est-ce que vous m'avez entendu bien? Allez-vous le faire? Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Aidez les uns des autres, les uns les autres, et pour aller au ciel, vous irez. Elle ira, et vous, et lui aussi il ira. Et chacun de nous, nous serons là-bas au nom de Jésus. Point numéro 3. Le modèle des disciples dignes de confiance. Le modèle des disciples dignes de confiance. Jésus est notre modèle. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, le Seigneur vous donnera du repos. Christ vous donnera du repos. Toutes les hypertensions, les sauts, les soubresauts, Jésus vous touchera et il enlèvera toutes choses. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Les hypertensions sont parties. Les hypertensions sont parties.
les anxiétés, les tristesses sont parties quand vous suivez Christ. Il va pourvoir tous vos besoins. Tel que vous suivez Christ, toutes ces choses pour lesquelles vous priez, il va tout accomplir. Il va vous bénir. Il va multiplier ses bénédictions sur vous. Et alors vous allez partager la bénédiction de votre vie. Va aller aux autres au nom de Jésus. Ne pas quand il dit quand mon joug est doux. Quand mon joug est doux, la vie chrétienne ne sera plus difficile pour vous. Votre route ne sera pas rugueuse. Et le fardeau ne sera plus lourd. Le Seigneur prendra soin de vous, va vous tenir par la main et va vous soulever. Et lorsque les vents vont souffler contrairement à votre vie, il va dire paix, paix. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Suivez Christ, vivez comme Christ. Posez-vous la question à tout moment. Si Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, était dans cette condition, faisant face à ceci, qu'aurait-il fait? Pierre, 1 Pierre 2:21. 1 Pierre 2:21. Il dit que c'est à cela que nous sommes appelés, parce que Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. Qu'aurait fait Jésus? Vivez comme Christ. Cherchez et allez comme Christ. 1 Pierre 2,6. 1 Jean 2,6, j'allais dire. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Comme Jésus a marché, marchez ainsi. 1 Pierre 3:3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Il veut que vous viviez comme lui. Jésus, il est le modèle de notre vie. C'est lui que nous devons regarder et vivre. Regardez ce qu'il a fait, faites ça. 1 Jean 4:14. Il dit, c'est en ceci que notre amour est rendu parfait, que nous ayons de l'assurance au jour de jugement, comme parce que tel qu'il est, ainsi nous sommes dans ce monde. Et comme nous le suivons dans ce monde, il va vous bénir. Dans le monde à venir, il vous bénira. Vous n'allez jamais rater quelques bénédictions de votre vie au nom de Jésus. Nous allons dans Marc à présent, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, 29 et 30. Marc 10, 29 et 30. Marc 10, 29 et 30. Jésus leur répondit disant, en vérité, je vous le dis, il dit, aucun homme, ni personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou sa sœur, ou sa mère, ou son père, où ses enfants, où ses terres ne reçoivent au centuple présentement, c'est-à-dire dans ce monde. Jésus veut que vous soyez le suiveur, un suiveur loyal, un suiveur fidèle. Et il dit que tout ce que vous avez laissé derrière, à cause de ce que vous le suivez, à cause de ce que vous êtes le disciple de Christ, mille, centuple vous sera multiplié dans votre vie. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Je vois les bénédictions de Dieu descendre sur vous maintenant. J'ai dit, je vois déjà les bénédictions de Dieu descendre sur vous. Je serai un disciple de Christ. Je serai un disciple de Christ. Je dois être un disciple de Christ. Où êtes-vous? Rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous retenir en arrière. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus.
Pas de retour, pas de retour. Le monde derrière moi, la croix devant moi, pas de retour, pas de retour. Bien que mes amis s'opposent à moi et que les ennemis s'opposent à moi, encore je vais suivre. Pas de retour, pas de retour. Jésus prépare un autre royaume pour moi et je serai là-bas. Pas de retour, pas de retour. Levez-vous et parlez à Dieu dans la prière maintenant. Vous n'allez pas retourner en arrière. Vous n'allez pas retourner en arrière. Vous allez suivre le Seigneur. Et les bénédictions de l'Éternel vont continuer de multiplier dans votre vie.